la pluie, le beau temps et bien sûr la plage, les amis. On vous amène toujours avec nous et je vais rejoindre papa qui est là-bas. Qu'est-ce que tu fais à ton frère? Ah ben bravo! Coucou! Maintenant, elle te fait des misères, ta sœur? Ouais, mais maintenant j'ai un nouveau challenge, j'ai essayé de sortir. Ah, essayer de sortir. Ouais. Allez, est-ce que tu vas arriver à sortir? Ouais! Pendant que papa fait la sieste sur son gros paquet de chips. Voilà! Bon, on va se baigner? Ouais! Faut se lancer là! Allez, bon, on va aller se baigner alors. Ouais! Voilà! C'est bon? Allez, on y va! On est pas bien là? Il y a des dagues parce qu'il y a du vent. Les bonnes noix de coco. Regardez ce qu'on a en Espagne. Les noix de coco sur la plage. Miam, miam, miam. Tu prends? Miam, miam, miam. Tu peux le boire? Bois-le. C'est bon? Et la dame, regardez comme elle fait. Elle est trop forte. Ouais, alors regardez les amis comment on casse une noix de coco. On a vitamine. Super. L'estimada. Ah oui, s'il vous plaît. Merci. Vous régalez les loulous? Ah, regardez, bon, les... tu peux goûter? C'est vraiment bon. Hein. C'est vraiment bon. Faut vite boire comme ça, la dame, elle te coupe. Comme vous l'aurez deviné, on est rentré de la plage, on a pris la douche, on est tout propre et là on est au restaurant pour le soir. Et là on va se faire un petit cocktail sans alcool. Alors pour Corentin, c'est un mojito. Sans alcool. Papa, c'est quoi toi qui as pris? Il sait plus. Un Francisco. Un Francisco. Et maman, c'est une San Francisco, mais je sais pas ce qu'il y a dedans. Sans alcool aussi. Et pour jeune, un coca. Maman. On nous a même amené les petites olives. Ça pique ça? Ah non, je pense pas, c'est un petit oignon. Par contre, ouais, les olives chez eux, il y a des piments. Regardez les amis, il y a plein de piments. Là, les glaçons, il y a des trucs dedans. Ah ouais, c'est des grenades? Ah oui, c'est des grenades. Ah, des glaçons avec des grenades dedans, j'ai jamais vu ça. Ah, c'est chouette! Là, t'es pas parti pour le moment. Chouette! Bon, ben nous on attend la suite. Ah, tu veux que je goûte? Moi, j'ai goûté l'oignon.
Alors nous on attend la suite, on a commandé une bonne paella et les enfants des viandes grillées. Et on vous retrouve tout à l'heure, d'accord? Oui. Bonjour Gina. Papa est concentré sur ses billes. Une paella granita. Ah bah bravo. On a reçu notre bonne paella, elle a l'air trop bonne, alors c'est pour deux. Alors papa il est en train de le servir là, voilà. Regardez comme ça fume, ça a l'air trop bon. Et pour les enfants, on a pris une assiette pour deux parce que les assiettes elles sont énormes. Ouais. Avec un assortiment avec plein de viande, avec du chorizo. Il y a quoi? Il y a un poivron grillé là-bas, une petite sauce. Frites. Des frites, ouais, les frites très importantes, les frites. Donc voilà, donc on va se régaler. T'as faim toi? C'est équilibré hein, ce que je mange aujourd'hui. Bon, tu sais pas? On va manger quand même ou on mange pas? Mais c'est équilibré. Ah, ça veut dire que t'as faim alors. Bah oui, c'est un peu plus équilibré que les burgers frites, oui, c'est sûr. Là, c'est meilleur pour la santé, on va dire. Bon, là, il y a quand même des fun, mais bon. Je peux goûter, Justine Moon, pour faire la différence. Oui, tu peux goûter. Vas-y, prends goût. Attends, tu peux manger. Je sais pas si c'est chaud. Sympa. Non, ça va. Anciane, vous saurez qu'elle adore les moules. Puisque j'ai vu ça à la télé, j'adore. Alors, est-ce qu'elle est bonne? Elles sont meilleures que l'autre restaurant. Elles sont meilleures que l'autre restaurant. Ouais, ça a l'air super bon ici. Bon, ben moi je vais manger parce que sinon ça va refroidir. Bon appétit les loulous. Merci. Bon appétit. Bon appétit. Bon, les loulous, ça y est, on est rentrés au camping. Oui. On a bien mangé. On a acheté un Uno. On a acheté même un Uno. Un et c'est pas Uno. Classique. Ouais, c'est quoi? C'est un Uno H2O. En fait, qu'est-ce qu'il fait son Uno? Et ben en fait c'est un jeu de cartes qui va dans l'eau. Elles sont en plastique. Tu vois? Tu vois les cartes? Voilà. Non. Et là, voilà. On a un Uno avec des cartes en plastique parce qu'on avait oublié le Uno à la maison. Et lundi comme il avait beaucoup plu. Il y a deux jours pardon. Il avait beaucoup plu et du coup on s'est retrouvés. Et ben un peu embêté à la tente. On n'avait rien à faire et là on a racheté un Uno. Voilà. Et puis là on l'a pris. Bah, comme ça s'il pleut bah, il pourra se mouiller. Alors les loulous, nous on va aller, bah, je sais pas, peut-être à la fête foraine, je sais pas, on va voir. En tous les cas, on va vous laisser. Je sais pas, on verra la tente. On va vous laisser, puis bah écoutez, si ça vous a plu, bah dites-nous le où. Dans les commentaires. Dans les petits commentaires, bah dites-nous aussi si ça vous a plu, laissez-nous un petit pouce vers le haut. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et en attendant la prochaine vidéo, on vous fait des gros bisous et on vous dit encore bonnes vacances. Bonnes vacances les amis. Et puis nous on va voir comment ça s'ouvre son Uno alors. Oui. Okay. Moi je l'ai ouvert. Tu l'as ouvert? Bon bah cool alors. Allez, à la tente. Ciao ciao les amis. Ciao.